Three, two, one. Bonjour, bonsoir tout le monde. Encore une fois, son plaisir pour nous rentrer la CAO pour nous porter une émission pour l'un qui c'est Flash Sport. J'aime toujours dire le Flash Sport qui toujours passe sur page ou ça, qui c'est Flash TV Haïti. A noter que j'aime toujours dire le Flash TV Haïti nous présente sur toute plateforme net, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou encore sur channel YouTube nous, hein, ou qu'à toujours commenter, ou qu'à toujours monter ou like ou partager ou commenter pour des commentaires qui permettent nous avancer, ou encore n'a besoin félicitations à tout le monde qui abonné à channel là et l'autre monde qui prend le temps pour abonner avec nous. Le numéro nous pour aujourd'hui, hein, nous pourrons parler de Franck Kessier. Franck Yannick Kessier qui sont international, nous connaissons international ivoirien qui c'est actuel joueur Milan AC mais nous connaissons saison prochaine qui a bien pour porter les couleurs du FC Barcelone. Nous allons parler normalement, est-ce que nous allons poser quelques prérogatifs normalement, est-ce que c'est meilleur choix Franck Kessier fait le fait que lui d'accord signe à Barcelone, ou encore nous allons regarder style de jeu Franck Kessier, est-ce qu'il est véritablement adapté avec style équipe barcelonaise. C'est numéro ça n'a pote pour jeudi, n'a pas un coup de pause, n'a pas tourné table. 3, 2, 1. Je me dis annoncé, hein, nous allons parler de international ivoirien ça, qui c'est Franck Yannick Kessier. Nous connaissons que c'est actuel joueur équipe Milan AC hein, du côté de l'Italie. Et bien, saison prochaine, Franck Kessié cap gagné pour porter les couleurs du FC Barcelone. Et Franck Kessié s'était trouvé dans une situation, surtout avec dirigeant Milan AC. Nous connaissons que Franck Kessié qui est en fin de contrat, contrat a fini en juin 2022. Et dans le cadre de négociation avec dirigeant équipe milanaise, deux parties n'ont pas arrivé entendu. Surtout que nous connaissons Franck Kessié déjà qui m'a demandé l'équipe Milan AC a un salaire qui est allé au-delà de 7 millions d'euros. Mais Milan AC, lui-même, véritablement dirigeant milanais, n'a pas d'accord pour aller à la hausse de 7 millions. Il a tiré l'intervalle de 5 millions à Kessié. Mais Franck Kessié lui-même, qui n'est pas d'accord et qui a décidé de faire choix aller en tant qu'agent libre à l'équipe Barcelone. Et déjà, il a passé visite médicale avec l'équipe Barcelone. Et bien que le côté de Bral touche un salaire de 6,5 millions dans l'équipe Barcelone. Et saison prochaine, c'est sous couleur équipe Barcelone dans la pied. Et nous connaissons que Franck Kessié, jeunes gens, ils sont internationaux ivoiriens. Et Côte d'Ivoire, nous connaissons que et sélection Côte d'Ivoire normalement toujours bah, pas mal de grands joueurs sur l'échiquier football là, c'est une garde des dernières dates de joueurs tant que Didier Drogba, nous connaissons que qui c'est ancien joueur équipe Chelsea hein, et qui était pas mal hein, Ligue des Champions 2012 que Chelsea t'a pris côté. Et en premier temps, Villas-Boas était entraîneur équipe ça, mais il était venu révoquer Villas-Boas pour manque de résultats. Et côté que c'était Antonio Di Matteo qui devait assurer intérimaire, et bien Didier Drogba était une partie pour une autre figure même emblématique dans l'équipe Chelsea Sack Champion 2012. Ou encore Côte d'Ivoire qui a pris pas mal de joueurs qui ont été passés, un joueur un excellentissime défenseur, tant que Kolo Touré. Qui a changé l'équipe Liverpool et je dis qui c'est assistant Brendan Rodgers. Qui c'est assistant Brendan Rodgers en de l'équipe Leicester City. Nous avons cité pas mal tout de Salomon Kalou, qui sont ivoiriens, qui étaient dans l'équipe Chelsea. Ou encore, dernière date, nous avons Gervinho pour citer que cela seulement. Ou encore Nyeniri Yaya Touré. Nous connaissons que excellentissime, très bon milieu de terrain ivoirien qui a gagné changé l'équipe Barcelone 2009. Là, Barcelone, nous connaissons dominer l'Europe de Pep Salah-Guardiola. Même si que nous connaissons Yaya Touré en premier temps, il a commencé à Barcelone et après il est venu sous l'équipe ça. Surtout, nous connaissons que c'est donc poser des problèmes, son excellent milieu de terrain vraiment, mais qui posait pas mal de problèmes tactiques. C'est ça qui fait que Guardiola a été obligé de mettre M. Souban, qui est venu remplacer par Sergio Busquets. Et puis que nous connaissons Sergio Busquets jusqu'à date que qui ça le fait avec l'équipe FC Barcelone. Et je dis là, Franck Kessié, c'est international ivoirien. C'est tout d'abord M. formé au Côte d'Ivoire. Et bien rapide en 2017, il y a un recruteur de l'équipe Atalanta de Bergame, qui a pris un monsieur, et puis l'équipe Atalanta a signé Franck Kessié. Et normalement, que c'était a signé Franck Kessié. En première saison, qui a passé la saison, pas directement intégré l'équipe Atalanta, parce que pour
pour accumuler pas mal d'expérience. Il est obligé de faire monsieur à jouer à l'équipe Cesena en première division italienne à l'époque, nous la saison 2017. Et côté monsieur était véritablement imposé dans l'équipe Cesena. Et tout de suite après, Gianpiero Gasperini, qui est entraîneur équipe Atalanta Bergamo, a pris le système de jeu qu'on est ligue à appliquer, qui c'est 3-4-3. Tabral véritablement fait que c'est Tabral une figure partie pour notre équipe. Ça, côté monsieur Tabral véritablement chita en équipe. Ça. Et très vite, le dirigeant Milan et Tabral apprécié la qualité de joueur ça gagne. Et bien rapide que le dirigeant Milan et Tabral acheté 6 monsieur pour 30 millions d'euros. Mais si on tout d'abord il était prêt. L'été on prêt avec une option d'achat, on prêt avec option d'achat et normalement que je vais arriver convaincre dirigeant Milanais ou t'élever option d'achat qui c'est 30 millions d'euros. Et faut que c'est déjà qui joue 234 matchs pour équipe Milan AC, je crois c'est pour 46 goals avec équipe Milan AC. Et je dis la saison prochaine qu'a pour porter les couleurs de équipe FC Barcelone. Et un peu monde toujours un peu monde qui a posé question ça, est-ce que c'est meilleur choix le fait que Franck Kessié d'accord signé la Barcelone. Moi personnellement, m'pas quoi c'est bon choix parce que véritablement au regard de équipe Barcelone Xavi Hernandez a entraîné jeudi hein, parce que équipe Barcelone là c'est sous garde au niveau de milieu de terrain jeudi hein, c'est on noir ou de jeunes. C'est déjà avec milieu de terrain ça qui est composé de Pedri qui a 19 ans, nous prend le jeune Gavi encore qui a 19 ans, nous prend tout et Nico Gonzalez que on connaît Nicolas Gonzalez que tout le monde connaît sous le nom de Nico Gonzalez, c'est deux jeunes encore c'est que qui vraiment parti pour notre comme si qu'a prend prime en dans équipe Barcelone que Xavi by plus espace en dans équipe Barcelone. Et venir Franck Kessié, est-ce que véritablement Bral permettre Franck Kessié titulaire en dans équipe Barcelone? Moi m'pas croire ça. Parce que, au regard du style de jeu Franck Kessié sont excellentissime milieu de terrain, ça n'est le milieu de terrain box to box, deux joueurs qui sont capables de faire, deux joueurs qui sont capables ni et aller la première partie et la deuxième partie de terrain. Tout. Et son joueur tout qui gagne green ta la kaili, c'est un joueur qui allait au charbon en pile, qui très bon dans le duel aérien, que ce soit dans le duel au sol, son très bon manieur de balle tout. C'est un joueur qui gagne assez puissance physique la kaili. Ben, c'est que venu dans Barcelone 7, la poton l'autre bagarre en dans l'équipe Barcelone, surtout ça crée les puissances là, parce que le regard pour se garder sur ça qu'a fait sous ses joueurs, l'équipe Barcelone n'a manqué ça, c'est un véritable monde qui a une puissance physique, parce que se garder toute équipe qui a joué jeudi, sous prend l'équipe anglaise, c'est basé sur ça même, c'est ça crée les intensité, en pile volume et densité, ben c'est que Franck Kessié qui est véritablement important pour l'équipe Barcelone dans le sens ça. Même ben c'est que qui va plus ou moins jouer en second rôle dans l'équipe ça, qui a porté à Paul dans l'équipe là. Mais ce n'est pas premier, c'est pas premier africain, c'est une brèle comme ça, premier africain qui joue dans l'équipe Barcelone. Au regard, si nous allons Yaya Touré en tant qu'ivoirien, qui joue dans l'équipe Barcelone, tout, si nous prenons Seydou Keïta, bon, ancien joueur FC Séville et qui est dans l'équipe Barcelone de 2009 à 2013, Seydou Keïta, c'est un homme qui était très important pile pour Josep Salagodiola en tant que milieu de terrain de formation. Mais nous rappelons que la finale Ligue des Champions, et je suis capable de dire finale Ligue des Champions, 2011 ans, il y a un moment que blessure que Daniel Alves a un problème. Il me semble que Guardiola a utilisé monsieur comme un rôle de latéral droit, c'est Seydou Keïta. On connaît qu'après dernière date c'est Emmanuel Song qui sont camerounais mais qui était véritablement dans l'équipe Barcelone qui était son milieu de terrain de formation mais quand même parfois pas véritablement joué une place lui, surtout qu'on est Sergio Busquets l'équipe ça a son joueur qui est très intelligent tactiquement véritablement pas permettre et Alexander Song joué une place dans l'équipe là parfois était qu'on utilisait Alexander Song comme défenseur central. Et si nous regardons style jeune toujours s'il n'a toujours été dans style de jeu Franck Kessié en dans l'équipe Barcelone, Franck Kessié comment peut-être place de comment il a joué dans l'équipe là. Si nous regardons au regard de l'équipe Milan, surtout là, peut-être dans 3-4-3, dans 4-3-3 Stefano Pioli ou encore dans 4-2-3-1. Parfois, Pioli qu'on utilise comme un double pivot à côté de l'international algérien Ismaël Benassia ou encore dans 4-3-3 qu'on utilise monsieur comme un intérieur ou comme un 8 ou comme un relayeur tout, 8 intérieur, relayeur. C'est quasiment la même chose, comme un relayeur droit. Et parfois, tout avec
capacité le gagner pour le projeter vers l'avant puis on lui qu'on utiliser même long système 4-2-3-1 côté qu'on utilise comme milieu offensif centre sous garder dans tout dernier moment là c'est presque comme ça puis lui utiliser comme un milieu offensif centre en dans équipe Milan AC mais son joueur j'aime dire là qui grand pile volume qui gagne duel aérien duel au sol et son joueur qui pourtant pile puissance tout et normalement une caractéristique technique monsieur gagne la qualité monsieur sont très bon tireur de penalty sous garder ratio de penalty que le shooter avec équipe avec équipe Milan AC monsieur gagne très bon réussite et au-delà m'est capable de dire que est-ce que c'est pas première tireur de penalty équipe Milan AC sous garder que sous ça fait toute saison parfois les pendant blessures là attendre pas sous terrain mais c'est lui même qui toujours prend ensemble deux initiatives yo je ne dis que Franck Kessier dans l'équipe Barcelone c'est saison prochaine qui c'est déjà c'est 6.5 millions d'euros que le Bral touché en dans équipe FC Barcelone mais au regard tout c'est n'a toujours été sous Côte d'Ivoire je ne dis là Côte d'Ivoire bon c'est un pays de l'Afrique c'est pays qui en Afrique et qui c'est membre qui voisin avec pas mal de pays tant que le Mali ou encore Burkina Faso et Côte d'Ivoire c'est ancienne colonie française qui prend indépendance dans les années 60 surtout nous connaît avec période de décolonisation côté ensemble de pays africains ça va prendre indépendance mais bien avant tout c'est nous connaissons conférence de Bandung non qui était faite du côté de Inde à ville Bandung même qui t'a bral presse qui t'a bral occurrence même pour ensemble de pays africains ça va bral mandé pour sortir en bas colonialiste parce que nous connaissons 29 pays au total qui étaient participé dans la conférence Bandung en 1955 et en 60 qui bral permettre que Côte d'Ivoire prenne indépendance avec premier président qui était bral gagner c'est Félix Houphouët-Boigny que son c'est premier président pays Côte d'Ivoire c'est médecin de formation et c'est un grand agriculteur tout parce que ouais gars soit regarder Côte d'Ivoire même là au niveau d'économie surtout c'est un meilleur producteur de cacao et de café sur le continent africain cacao très bon surtout et Félix Houphouët-Boigny tout c'est un monde qui a de très bons rapports avec la France c'est ancien député à Paris ou encore on capable dire que c'est monde qui était bien très bon rapport surtout avec Jacques Foucault nous connaissons que c'est un proche de Charles de Gaulle mais qui était très présent surtout le continent africain. Je ne dis pas qu'on divorce en 1960, pas mal en période de décolonisation. Même genre ensemble de l'autre pays africain encore, nous capables de prendre la même période ça, de pays tant que Sénégal, qui a été Léopold Sédar Senghor comme premier président, ou encore le Mali avec Modibo Keïta, ou encore Centrafrique avec David Dako. Tout le monde sait, c'est de 60, la même année 60, qui a pris l'indépendance. Je ne dis pas, Franck Kessier, saison prochaine, nous allons jouer sous couleur équipe FC Barcelone. Perspective, est-ce que son joueur perspective, est-ce que son joueur véritablement va aller poser dans l'équipe là? Bon, nous pas qu'on mais au regard son joueur qui extrêmement c'est en tant que agent libre, il aller dans l'équipe Barcelone. Son joueur c'est que en tant que lame important pour Barcelone que Xavi a utilisé surtout déjà. Mais j'aime dire que pour moi c'est pas meilleur choix parce que moi c'est que Kessié déjà, tu son joueur qui était un chita dans l'équipe Milan AC côté véritablement tu était un bon chita dans l'équipe Milan, côté tu était un bon on capable dire que au côté de gagner un ensemble de responsabilités de l'équipe ça son joueur que Pioli fait en pile confiance surtout mais qui tout d'abord aller faire choix équipe FC Barcelone c'est ton plaisir j'aime toujours dire pour me déposer numéro ça pour vous c'est Flash Sport il toujours passer sous page ça qui c'est Flash TV Haïti j'aime toujours dire dans tout numéro nous Flash TV Haïti nous présents sur toute plateforme net qui ce soit Facebook Twitter Instagram ou encore qu'a toujours monter sur channel YouTube nous hein. Ou like, ou partager, et puis ou commenter, ou porter des commentaires qui permettent nous d'avancer. Et je dis merci à tout le monde qui prend l'abonné à la chaîne là, et tout le monde qui est déjà abonné. Je dis un grand merci déjà. C'est ton plaisir. Au prochain numéro, c'est pour bientôt. 3, 2, 1.